salut à tous. Et là, il fait vraiment pas chaud, mais je suis sortie un petit peu dehors quand même. Bon, je filme sur mon balcon. J'en profite et il n'y a personne, donc je peux parler à voix haute, plus ou moins. Et c'est tout ça, c'est pour ça en fait. Je viens de recevoir mon petit paquet et j'ai hâte de partager avec vous ce qu'il y a dedans. C'est petit, mais c'est bien emballé, c'est beau. Donc on va ouvrir tout ça, on va partager. Donc on va ouvrir cette beauté. Regardez comment c'est bien emballé. C'est super. Et ça vient d'Italie normalement. C'est ça. Pognano. Italie. Oh, je suis très contente. J'adore quand il y a des trucs qui viennent d'Italie. J'adore l'Italie. Donc on va ouvrir cette beauté. C'est super bien emballé, hein. Franchement. Bon, on va regarder les détails. Hein. Bon, on va commencer par ce qui commence à sortir. Je vous mettrai les prix. Est-ce qu'il y a des prix ici? Non, il n'y a toujours pas de prix. Mince. Bon, je vous mettrai les prix dans la vidéo, mais normalement, il me semble que c'est 4,95 pour ce vernis-là. Regardez comment il est beau. C'est une beauté, mon Dieu. Et j'adore ces bouchons-là. C'est leur édition limitée. Bon, c'est super. C'est pas celui que j'ai choisi en boutique, mais je le trouve très très beau. Quand je l'ai vu sur internet, je l'ai trouvé encore plus beau. Donc j'ai pris un marron, j'ai décidé, parce que rouge avec des nuances un peu brillantes comme ça, j'en avais déjà eu. J'en avais déjà eu un gris, mais je sais pas si j'en ai pris un gris. Et j'ai pris, voilà, un marron comme ça, je trouve qu'il est très très beau. On va essayer de l'ouvrir, voir. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. Nacré. Ensuite, un autre vernis bleu, enfin violet comme ça, aussi très beau. J'aimerais bien qu'il fixe l'appareil photo, là. Voilà. Il est aussi très beau, les bouchons ça s'enlève, et puis là, on va voir ça. Ah ouais, ça fait un peu aux couleurs encre, très jolie couleur. Bon bah bientôt vous allez voir tout ça sur mes ongles, donc c'est pas la peine que je teste, de toute façon ça va apparaître. Donc vraiment le packaging, je trouve que c'est très beau, ils se sont beaucoup améliorés sur leur packaging, c'est très joli. Ensuite, un autre vernis, pareil, dans le violet. Ça faisait très longtemps que j'en ai pas acheté du violet, du prune, enfin voilà. Là, j'en ai acheté un autre, un peu plus clair que celui que le précédent. Et mat, cette fois, il est mat, voilà. Il est beau aussi. Bon, ça, c'est un classique, emballage classique qu'ils avaient toujours eu. Nail lacquer. Celui-ci, je crois qu'il était 1 euro, en promo. Ensuite, il y en a d'autres, là. Ah oui, j'ai quand même pris ce gris. Il y en a d'autres là aussi, 1 euro, c'était un bleu comme ça, je sais pas ce qui me prend, je prends beaucoup de bleu actuellement, il faudra que je les essaye, en fait c'est l'hiver, et quand c'est l'hiver j'adore les vernis foncés, il est très beau celui-ci aussi, oh là là. Ensuite il y en a un clair, ça je l'ai pris pour test, j'ai pris pour tester parce que c'est vrai que des vernis roses, je suis assez perplexe, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie énormément le rose, mais sur les ongles ça fait joli, ça fait souvent un effet nude, donc c'est joli. On va voir ça aussi. Oui, il est quand même joli, hein, et je pense que ça va bien avec ma teinte de peau, c'est plutôt pas mal. Et donc enfin, de la même collection que le marron, vous avez le gris anthracite, très très beau. C'est celui-ci en fait que je voulais prendre en boutique et que j'ai laissé, avec un autre qui était un peu violacé, enfin violet rouge, très beau aussi. Donc voilà, celui-ci, il est magnifique. Je pense que c'est fini pour les vernis. Ensuite j'ai pris quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas fini pour les vernis, c'est encore des vernis. Là c'était par deux, en fait c'était un petit, je ne savais pas que c'était un joli packaging comme ça. Donc on va voir, là il vous montre comment il faut faire, pas à pas, step by step. Donc là vous avez deux comme ceci, c'est en fait pour avoir un effet gel sur vos ongles. Trop beau. J'adore, non mais franchement, hein. Donc on va enlever le bouchon pour voir. Ça fait un peu l'effet top, un peu comme celui que je porte là. Très sympa la couleur, hein. Vraiment hein. Belle. Et puis donc, celui que vous mettez par-dessus, donc effet gel, hein, c'est ça. On va voir, à mon avis, ça doit être un truc transparent. Voilà, ça c'est transparent et ça doit être, ça doit laisser un effet gel, en fait, un effet. Trop joli. Ah oui. Ah, j'adore. Franchement, c'est tout beau, tout ça. Ensuite, on a
un autre vernis. Ah oui, c'est ça, le rouge. C'est celui-ci que j'avais eu en vente. Et je l'ai adoré, celui-ci, Quick Dry. Je ne savais pas qu'il faisait encore ce vernis-là. Celui-ci, je l'ai vraiment fini. Il était tout beau. J'adorais ce vernis-là. Il sèche vite. C'est marqué Quick Dry. Et c'est vraiment ça. Et j'aime beaucoup leurs pinceaux. Ils sont assez larges et plats. Ça aide beaucoup l'application du vernis. Franchement, j'adore celui-ci. Je l'ai vraiment fini. Hein. Donc voilà, je ne pensais pas en trouver un autre. Enfin, le même comme ça. Et enfin, la dernière chose, c'est ça aussi que je voulais acheter dans la boutique et que je n'ai pas acheté parce que ça me paraissait trop cher. Et finalement, au retour à la maison, le soir même, vous voyez, j'ai commandé quand même cette crème à l'acide hyaluronique que j'ai vraiment appréciée. L'odeur est vraiment parfaite. La texture aussi. Enfin bon, après, on va s'en douter un peu des ingrédients qui sont dedans pour avoir cette texture veloutée et cette... comment dire... ce... toucher soyeux. Bon, on verra, hein, mais en tout cas, franchement, pour le moment, je kiffe beaucoup cette crème. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a coulé, là, ça va pas du tout, ça. Tout a été très bien emballé, à part ça, oui, ça a été bien... ça a dû bien trembler dans la boîte. Hein. Mais en tout cas, bon, il est nouveau, il n'y a pas de souci, il est neuf, personne n'a touché. Mais à mon avis, il va devoir passer assez rapidement en utilisation, sinon... c'est comme s'il était ouvert en fait, j'ai pas envie qu'il se périme. Voilà, voilà, donc je suis hyper contente, je trouve ça beau, je trouve ça sent bon. Je suis désolée pour les bruits, mes voisins encore, ils font des travaux. Mais bon, ça c'est de temps en temps, c'est pas bien grave, pour le reste, c'est plus grave que ça. Voilà, donc là, le packaging qui est très très beau comme d'habitude, 50 ml, et les prix je vous mettrai justement dans la vidéo, mais il me semble que c'est 22 €. Je mettrai aussi le lien du site, donc Kiko, que j'ai acheté, et ça a mis peut-être 2-3 jours, même pas 3, je pense que ça a mis 2 jours pour arriver, franchement, sérieux, emballage, vous avez vu, bien emballé, expédié rapidement, remise contre signature, au top, j'adore. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de votre attention. Je vous fais des gros bisous et très bientôt, habillez-vous bien chaudement. Ciao.